Bonjour Jean-Marc. Hey, salut Jean-Marc. Salut Jean-Marc, c'est Nico. Ah, bonjour, c'est Laurent Ruquier. Ah. Alors mon cher Laurent Ournac, je me demandais s'il restait de la place dans votre camping, parce que là, avec l'arrêt de l'émission pour tous, j'ai 20 chroniqueurs qui sont en vacances plus tôt que prévu. D'ailleurs, vous qui étiez dans ma bande Jean-Marie Bigard, ça va? Vous la vivez pas trop mal, notre éviction de France 2? Attends mon Lolo, on n'avait pas vraiment le choix non plus, hein. C'était quand même la seule émission qui avait plus de chroniqueurs que de téléspectateurs. Mais t'as raison, c'est une bonne idée le camping pour nous. On a réussi à planter une émission, alors une tente, ça devrait pas être trop compliqué, hein. T'as compris Jean-Marc? Ouais, j'ai compris, c'est bon. Bonjour, c'est Jean Reno. Ah. Laurent Ournac, j'aime beaucoup votre série Camping Paradis. Grâce à vos facéties, vous nous faites rire. D'ailleurs, en repensant au dernier épisode, j'ai un fou rire. Ah. Ah. Mais vous êtes aussi capable de nous émouvoir avec de belles histoires. Rien que d'y penser, je pleure. Ouais. En plus, dans votre série, Laurent, je trouve, enfin Laurent se trouve mon modèle en matière de jeu et de transmission des émotions. Ah bon ? Je parle bien évidemment du bungalow numéro 27, celui près du court de tennis. Salut, c'est François Cluzet. Ah. Bon, quand j'ai vu qu'il y avait un programme de TF1 sur des gens qui vivent dans des tentes, je me suis dit, c'est bien, ils s'intéressent enfin aux conditions de vie déplorables des SDF. Et puis non, c'est juste une série sur un camping. Oh merde. Qu'est-ce que t'en penses, Omar? Mais dis donc, Laurent, tu viens plus aux soirées, là? T'aurais dû. On a fait une soirée camping. Je peux te dire qu'on en a trouvé des endroits pour mettre nos grosses caravanes, hein. Mais oui. Hey, salut, c'est Franck Dubosc, en chair, en os et en Jean-Claude. Non, tu n'as pas rêvé. Tu sais, Laurent, que j'ai joué dans le film Camping et que j'y campais Jacques Chirac. Campais, camping, mon Dieu, je suis tellement spirituel. Bref, tout ça pour vous dire que si tu m'invitais dans Camping Paradis, je pourrais interpréter un individu appelé François Hollande. Et je peux te dire que, comme l'original, il n'y a pas que des tentes que je démontrais. Oula. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray, au spectacle du jeu de samedi au Théâtre Beau. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.